Les pèlerinages belges de Gand, Anvers, Bruges et celui de Montfort, simultanément présents à Lourdes au cours de l'été, ont tenu à rendre un hommage communautaire aux combattants disparus dans le secteur d'Ypres pendant la Première Guerre mondiale. À Lourdes, au cours de la procession mariale au flambeau le 17 juillet, quatre couronnes de coquelicots emblématiques d'Ypres, point crucial sur le front de la guerre et depuis lors devenue ville de la paix, ont été déposées solennellement. Avant le dépôt des gerbes, le trompettiste du sanctuaire Alain Chérel a interprété The Last Post, un instant inoubliable d'une étonnante beauté et d'une incroyable force. Le Last Post se joue au Clairon tous les jours ou presque à 20h depuis 1928 à la porte de Ménin dans la ville d'Ypres pour commémorer les 54 896 soldats et officiers du Commonwealth disparus dans la région pendant la guerre 14-18. À Lourdes, les quatre couronnes de coquelicots ont ensuite été déposées à la grotte des Apparitions près de la source. Le ciel peuplé des disparus semblait toucher la terre.